L'autre, elle applaudit. Mange donc de la merde, sti. C'est mon film qui est le meilleur. T'as beau me pirater, puis essayer de tout détruire, tu peux pas rien fucker là-dedans. C'est impossible. Tu peux pas rien faire contre mon bonhomme de dessin animé. Parce que le petit bonhomme dans TV, il peut pas être poursuivi. C'est McMahon, fervent enculateur des jupons d'or. Ouais, McMahon, regardez ses yeux à McMahon, il vient de faire une coupe de trac. Pis là, McMahon, ses tracks, regardez, cric, crac, croc, cric, crac, croc, Allen Kynes. Ben ouais, pis là, il va se faire un autre track, McMahon. McMahon, il va se faire une track. Ben ouais, il va me faire une track. Va me faire une track, ça sera pas long, la track va rentrer dans mon nez, là. Elle va rentrer comme un aspirateur, comme une balayeuse. Walmart ou Ikea. Ouais, les amis. Allez voir ça, ça va être le cœur. Hein? Puis ma ligne, là, c'est pas une ligne de Weight Watchers. Parce que Weight Watchers, il y en a qui ont besoin de ça, comme les mammouths. Les mammouths, là, les mammouths québécoises, ils ont besoin de Weight Watchers qui mangent la tourtière avec une boîte en carton déchirée, destinée à quelqu'un. Mais là, les mammouths, ils peuvent pas me donner la tourtière parce que je suis pas là. Fait que là, je suis chez nous, puis je vais m'en acheter une au IGA, une tourtière, puis elle va être bonne. Puis là, là, qu'est-ce que m'en allait vous dire, c'est que regardez bien ça, m'en va me faire une track. M'en va m'en faire une track. Ça sera pas long, dans 20 minutes. Parce que là, je n'ai assez fait de track, puis le film, il continue à jouer. Mais vous allez voir que mes petits yeux de cric, crac, croc, Allen Kynes, cric, crac, croc, Allen Kynes, c'est cric, crac, croc, Allen Kynes. Ça veut dire que c'est cric, crac et croc. Croc. Cric, crac, croc. Cric, crac, croc, Allen Kynes de Kellogg's. Oui, les amis, ça c'est le petit gros tabarnak de Duchesne, le gros plein de marde, mon gars de la batterie. Mon nom, c'est pas Dan, c'est Laurent. Laurent Duchesne, que j'ai pas vu depuis 200 ans au moins. Chris, je dois être rendu à 1000 parce que si j'avais 35 ans la dernière fois que je l'ai vu. Mais c'est ça, c'est ça. Ça fait 11 ans à peu près que je l'ai pas vu. Laurent, mais plus que ça, ça fait 20 ans que j'ai pas vu Laurent, ça fait 20 ans que j'ai pas vu Laurent Duchesne. Laurent, comment qu'il va? Oh mon Dieu! Je suis en train de faire une crise d'asthme, là, ça doit être la fumée de cigarette, là. Ça a pas d'allure, ça. C'est pas juste. Le voisin fume trop. Moi, je fais de l'asthme, puis je vais mourir asphyxié par son tabac. Oli, il fume du crack, il empoisonne tout le bloc avec son crack. Le noir haïtien qui fait du vaudou, là, Oli, il fume des joints de crack dans son appartement, je l'ai vu faire. Il fume du crack, Oli. Il n'a pas le droit de fumer du crack. Puis moi, ben, j'ai des smokes indiennes. Puis les indiennes, ils sont bonnes. Ils sont bonnes, les indiennes. Ils sont bonnes. Fait que vois-tu, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu m'écœures encore, mon petit vaudou, moi, je vais te mater. Je vais te faire au plus profond de ton derrière géant. Hey, puis mes amis de Ouija vont venir vous voir, ils vont venir me venger. Je fais de l'asthme encore, je fais de l'asthme. Puis toi, là, si tu continues à m'écœurer, là, à bloquer mon film, ben, je vais te casser la gueule, je vais te couper en morceaux, mon esti, tu vas mourir brûlé. Puis Yannick, là, elle va se noyer au chalet dans le lac. Elle va boire une bouteille de vin avec Benoît, elle va aller nager, elle va être saoule, puis elle va se noyer. Regardez mes yeux, c'est drôle, ça, ce crampant à l'os, man. C'est drôle. Elle va se noyer dans le lac, là. Ben ouais. Ou la glace va craquer, là, va faire du ski de fond, puis elle va caler dans le lac. Puis elle va. Ah non, c'est vrai qu'il est fermé l'hiver. Mais en tout cas, son chalet va brûler. Il va brûler son chalet. Il va brûler le chalet, Yannick. Les fantômes vont mettre le feu dedans, il va pogner en feu.
Ah, je suis en train de faire de l'asthme, je fais de l'asthme encore. Si vous ne me croyez pas, là, je vous dis que je suis Paulo, là. Paulo Suzanne, là. La poutine, là, est tellement grosse, là. Tellement énorme, tellement mammouth, la poutine, là. Que si vous la mangez au complet, là, quand vous chiez, là, ça fait comme Gio, man. Ouais, comme Gio. Gio, là, la gorge, là, il avait mangé deux large de chez Jardin, restaurant Jardin. T'appelais là, il disait, Jardin! Puis Jardin, man, Gio, il avait mangé deux large de chez Jardin. Puis là, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que si vous mangez une poutine de chez Paulo Suzanne, ça fait comme les deux large de chez Jardin que Gio, il a mangé. Quand Gio il a mangé les deux loges de Jardin, une demi-heure après, il a eu mal au ventre comme un esti de malade. Puis là, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, voyez-vous, il s'est mis à péter, puis ça puait comme ça puait, ça sentait la merde, ça puait le chien sale, là, ça puait l'agneau pourri, man, de chez IGA désintégré, ou de chez Adonis, le restaurant, le supermarché arabe. Ben oui, applaudis ma crise de conne, si tu m'as te la faire avaler ta main. Pis là, là, c'est ça, Gio, il a chié deux large, man, pis la marde coulait sa balle de toilette, pis quand il a fâché, là, ça a débordé, pis il y avait de la marde partout dans la toilette. Il y avait de la marde partout dans la toilette. Partout, 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 partout. Pis Gio, là, Gio, il a chié sa balle, là, pis la marde, là, elle est restée collée, man, tellement que la pizza était mal préparée. La marde est restée collée un an sur la toilette parce qu'il n'y a pas nettoyé la toilette pendant un an. Puis la marde est restée collée sur la balle de toilette. Puis là, Gio, man, ça faisait 200 larges qu'il mangeait. Puis il y avait 200 larges de marde de chez Jardin d'accumuler sur le bord de la barre de toilette, man. Pis là, ça pleut à marde, ça sentait, ça pleut à marde, ça sentait, ça pleut à marde, ça sentait la crotte de cheval, man. Ouais, la crotte de cheval. La crotte de cheval, la crotte de cheval de Gio, man. Gio, man, il avait mangé deux loges. Deux loges. Pis après ça, il a dit, hey, fuck, man, si j'ai encore faim, man. Quand il avait fini de chier pis que ça avait débordé partout sur le bord de bol, là, il a dit « Maman, commandez trois autres lodges parce que mes chums s'en viennent. » Pis lui, il en a mangé une et demie encore, un autre lodge et demi, man. Moi, juste deux points, je serais plein. Pis là, Gio, il a chié pis il a pété partout sa bol. Pis après ça, il était fâché parce que c'était sale. Fait qu'il a appelé Jardin, puis il a dit au Jardin, au restaurant Jardin, il a dit « Jardin, je veux plus jamais acheter de la bouffe de chez vous, je vais faire commander de chez Double Pizza à cette heure, parce que Double Pizza, il est ouvert au centre d'achat Normandie. Puis Double Pizza, sont pas mal bons, Double Pizza. Ils sont bons, Double Pizza, sont bons. Double Pizza, sont bons. » Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, voyez-vous, après ça, les chums à Gio sont arrivés. Puis là, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas faim. Parce qu'ils venaient de manger, ils venaient d'aller chez Paulo manger de la poutine. Mais là, chez Paulo, la poutine chez Paulo, je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la même affaire que la pizza, je vous l'ai dit tout à l'heure. Fait que là, ils sont tous allés à la toilette chez Gio. Mais il y en a un, il avait mangé une poutine, mais la sauce était mal préparée. La sauce, là, était mal préparée. Fait que là, il a vomi partout sur le plancher. Mais là, Gio, il avait plus de mop. Puis il avait pas d'argent pour aller à Dollar Store acheter une mop. Fait que le vomi est resté là un an à peu près. Ouais. Puis ça, Gio, il vomissait partout aussi. Son chat, il vomissait. Son chat, Gio. Gio, ouais. Geographic, moi je l'appelle National Geographic. Gio, là, il y avait un livre de pâtes, man.
sa livre de potes, là, mais il y a quelqu'un qui a volé pendant qu'il y avait une petite gang chez eux. Fait que là, Gio, il était pas content. Fait que là, il a dit, si vous me dites pas c'est qui a volé ma livre de potes, si vous me la redonnez pas, je vous casse toute la gueule un après l'autre. Je vais tout vous casser la gueule un après l'autre. Puis je vais vous casser les doigts avec ma main gauche pour vous montrer que je suis fort. Parce que lui, il est droitier, Gio. Puis il va leur casser les doigts avec... Le poignet. Mais il va leur casser le poignet droit comme ça, ils pourront plus se crasser. Quand ils vont vouloir se crasser, il va falloir qu'ils prennent leur main droite, leur main gauche. Fait qu'ils n'auront pas le droit de se crasser. Ça va leur donner un break des affaires malades mentales. Ben ouais, si je vais dire que c'est sadique comme le prêtre McMahon. Ben ouais. Puis là, si vous me croyez pas, ben Gio, il y en a pas un qui avait volé sa livre de potes, c'était quelqu'un d'autre. Ben eux autres, ils disaient que ça savaient pas c'était qui, fait qu'ils ont trouvé un coupable. Ils ont décidé que c'était Alain. Fait que là, Gio, il a dit, ok, je vous épargne tout, mais Alain, tu vas faire le ménage de la salle de bain, puis tu vas m'acheter une livre de potes. Parce qu'Alain, il est vite, vu que c'était pas lui qui l'avait, il a dit qu'il l'avait déjà vendu, puis qu'il avait perdu le cash dans la machine de l'Auto-Québec. Fait que là, Alain, pogné Gio, il dit, tiens, il y a une mop, là, déjà usée. Alain, il a fallu qu'il nettoie le plancher avec la mop, le vomi, il a fallu qu'il nettoie les petites craques avec la brosse à dents à Gio. Puis là, ben c'est ça, il a tout lavé. Ben Gio, il était buzzé. Fait que le lendemain, Gio, il se trompe de brosse à dents. Il prend la brosse à dents que...